Dans l'atelier de Thomas Billoux, les violons, alto et violoncelle sont réparés et restaurés. Il assure les entretiens courants des instruments ainsi que la fabrication plus occasionnellement. Thomas Billoux est un soliste dans son travail. Je m'appelle Thomas Billoux, je suis luthier du quatuor, c'est-à-dire que je m'occupe de violon, alto, violoncelle. Alors là, ça s'est fait aussi un petit peu au dernier moment, en fin de troisième orientation, choix d'orientation. Alors j'avais hésité entre cuisinier, mécanicien, et comme je faisais déjà de la musique, je voulais un métier en rapport avec la musique, qui soit donc manuel, et qui, comment dire, où on maîtrise tout du début à la fin. Je n'avais pas envie d'être un maillon dans une chaîne. Et comme je faisais du hautbois, je m'étais renseigné sur la fabrication de hautbois, mais elle demandait beaucoup de l'utilisation de machines. Machine à commande numérique, etc. Ça ne m'intéressait pas. Il fallait choisir une orientation après la troisième, et c'était après la troisième qu'on pouvait rentrer à l'école de lutherie de Mirecourt, dans les Vosges, qui est la seule école de lutherie, comment dire, publique. Ça dépend de l'éducation nationale. Maintenant, ils rentrent après le bac. Donc il y avait des tests à passer, que j'ai passé, donc j'ai été reçu pour faire ma seconde, première terminale dans cette école. En avril 2003, il inaugure son atelier de lutherie à Chalon-sur-Saône, dans un premier temps à côté du conservatoire, puis rue de Nons. Oh, c'est la pyramide, la majeure partie, on va dire, sont les enfants qui apprennent l'instrument, hein, tout âge. C'est une famille d'instruments où il y a une taille d'instrument en fonction de l'âge, donc ils changent assez régulièrement. Donc ça, c'est le bas de la pyramide. Et puis tout en haut de la pyramide, ça va être des professionnels qui sont profs pour les enfants du bas. Au milieu, il y a des amateurs de différents niveaux, y compris de très bons amateurs. En location, j'ai à peu près une centaine d'instruments qui tournent, entre donc, violon, alto, violoncelle. La vente, c'est très très variable. Je sais pas, là, il doit y avoir une vingtaine de violons. Je n'ai pas de violoncelle à la vente pour le moment. J'ai un alto, mais il faut que je le restaure, à peu près dans cet ordre-là. Vous avez le dessus ? Ça s'appelle la table, donc qui est en épicéa, on va dire un sapin de luxe, qui est un bois de résonance. Vous avez le fond, qui est en érable, on appelle ça un érable ondé, parce que on remarquerait que les parties sombres deviennent claires et vice-versa. Ça bouge, c'est chatoyant. Les côtés s'appellent les éclisses, toujours dans le même bois, en érable. Le manche, toujours en érable. La tête, en érable aussi, c'est fait en un seul morceau. Il reste la touche, l'endroit où on pose les doigts, qui est en bois très dur, donc qui est en ébène. Et les chevilles, qui sont souvent en ébène. Tous les défis sont relevés. C'est un métier qui nécessite du temps, mais tout est possible, presque sans limite. Restauration les plus courantes, c'est un instrument qui tombe, donc qui est cassé, fendu. Donc pour ça, il faut l'ouvrir déjà, parce que ça se répare en fait par l'intérieur. Après, il y a tout ce qui est usure, les bords qui s'usent, donc on change les morceaux usés. Donc après, il faut remettre de la couleur sans toucher à la couleur d'origine, mais que ça ne se voit pas, qu'on croit que c'est la même. Parce que c'est vraiment un métier où on préserve au maximum l'existant. C'est pas comme un ébéniste qui souvent décape tout le meuble parce qu'il a fait une pièce et refait une patine dessus. Là, on est vraiment un peu comme la restauration de tableau. On va s'occuper juste de la zone qui est allumée. Donc au niveau outil, on utilise comme des ébénistes des gouges et des ciseaux. L'instrument le plus emblématique du luthier, c'est ce qu'on appelle le canif. On utilise très peu, par exemple, de papier de verre. On travaille avec des racloirs, enfin, que nous on appelle ratissoirs, mais les ébénistes appellent ça racloirs. Ce sont des lames d'acier affûté dont on courbe le fil. Donc ça a l'avantage de... Ça reste un outil coupant, donc qui laisse une surface brillante avec toute sa vie au bois. Contrairement au papier de verre, qui est en fait quelque chose qui agresse, qui arrache. Fabrication d'un violon, en ce qui me concerne, j'ai estimé la conception, le dessin, etc., 100-150 heures, et autant pour la fabrication avec le vernissage. Et puis quand j'ai la chance de revoir des restaurations que j'ai faites il y a 6, 7, 8, 10, 15 ans, et que je revois, je dis ouais, quand même, c'était bien, mais ça devient l'inverse. Est-ce que je serais encore capable de refaire pareil ? Donc sur le coup, c'est toujours un regret, on voit tout, on y a passé tellement de temps qu'on voit forcément tous les tout petits défauts. Et
Ah bah c'est ça, c'est les défis. Et puis parfois, particulièrement le contact humain, quand on parle avec des personnes qui vous font entièrement confiance, que vous comprenez, qui vous comprennent, parce qu'on est quand même dans des choses qui sont pas... Il n'y a pas que du concret, quoi. Quand quelqu'un n'est pas content de la sonorité de son instrument, il faut arriver à comprendre comment il voudrait que ça marche, voir si c'est possible et intervenir. Donc c'est vraiment des échanges. Moi je déteste la foule, mais j'aime bien les petits groupes. Il se passe vraiment des choses, un échange. Thank you.